Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et abonnés de Platine Web, le média, que ce soit sur Platine Web, le live, les infos, sur YouTube. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle manifestation, ce nouveau rendez-vous avec les... Alors, on va dire quoi? Les antipasses, les antivax, ça n'existe pas, les anti... ce vaccin. Les pour, les contre, vous êtes de nouveau... sur le parvis de l'aquarium, ici à La Rochelle. Et vous êtes les bienvenus. Allez, les premiers discours, les premiers discours. Les tam-tams. Les affiches. Le fil bleu sur le fil jaune. J'ai quelques slogans pour la manif, parce qu'on s'est dit que liberté tout simplement comme ça et non au pas, c'était peut-être un petit peu limite. Je vous propose, nous sommes libres, nous voulons la vérité, nous sommes libres, nous voulons la vérité, nous sommes libres, nous voulons la vérité. Pression à l'injection, démocratie en perdition. Pression à l'injection, démocratie en perdition. Pression à l'injection, démocratie en perdition. Aujourd'hui, on va célébrer une sale date, le 15 septembre 2021, où il y a eu énormément de soignants, de personnels soignants qui se sont vus interdire d'exercer. J'ai la délicate mission de vous lire quelques petits témoignages. C'est vraiment une date difficile, parce que ce sont des gens qu'on a applaudis pendant le confinement et qui se font jeter comme des chiens. Sans préavis, sans salaire. Et ça, c'est vraiment une honte. Voilà. Voilà, ça va se mettre en place, hein, je pense. Oui, ça y est. Ça va se mettre en place, le cortège. On va faire comme d'habitude, on va les suivre. On va se mettre près du départ. Et ben, j'ai l'impression que c'est parti pour de bon cette fois-ci. Bien sûr, non à l'injection expérimentale sur nos enfants et nos ados. Alors je profite qu'il y ait un petit peu moins de monde et surtout un petit peu moins de bruit pour vous annoncer qu'effectivement à partir de samedi, je ne serai malheureusement pas sur place. Et c'est normal, cela m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous pendant ces 10 semaines. Mais il y a d'autres événements à partir de la semaine prochaine qui font qu'il va falloir choisir. Et je me suis dit que j'avais bien couvert pour vous, pour évidemment que ce soit pour les pour, les contre. Comme ça, tout le monde a été capable de voir tout ce qui s'est passé à La Rochelle, qui est capable de voir. Donc effectivement, on fera d'autres manifestations à partir de samedi prochain. En tout cas, je voulais vous remercier de vous être abonné. Restez abonné, bien sûr, hein. Sur Platine Web TV, le live sur Facebook. Et le plus important pour l'instant, ce serait vraiment que vous vous abonniez à YouTube, car on est 300 depuis cette semaine. Il faut être 1000 pour pouvoir lancer le studio. Alors regardez, on va laisser passer le début du cortège. Et vous allez voir.
Ouais. Alors, à votre avis, entre 600, 700, faut bien demander, faut bien se parler d'un chiffre quand même. Moi, je partirais sur 5, 6, 700. Pour l'instant, c'est un premier chiffre que je vous donne. Et comme d'habitude, hein, vous avez vu pour ceux qui suivent tous les samedis, dès que le défilé démarre, il y a toujours un petit paquet de 200-300 qui sort. Et ben, c'est encore pareil, quoi. Donc là, il est beaucoup moins nombreux, mais effectivement, je confirme pour 500. J'en rajouterai un petit peu plus. Vous voyez, je vais avancer là sur ce coup-là. Vous voyez, toujours motivé, toujours prêt. Ils sont là. Alors ce qui fait que ça va me permettre d'aller... Yeah. Voilà. Ah, donc on n'est vraiment pas loin là. Hein. Donc encore une fois, voilà la voiture balai qui est carrément ici. Vous voyez que c'est tout nouveau ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà. Voilà, ceux qui d'habitude sont en premier, bah, aujourd'hui se sont mis en dernier. C'est bien aussi de faire d'autres choses. Beaucoup de drapeaux français comme d'habitude. Il y a des gens encore une fois. Qui défilent tranquillement. Qui donnent leur avis. Leur réaction pour se protéger. Il existe d'autres remèdes que le vaccin. Zinc, vitamine C, vitamine 3D, piobrotique. C'est ce que l'on lit là. Alors c'est vrai que ce que l'on entend et ce que l'on ressent beaucoup, 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 c'est que 90% des vaccinés se sont fait vacciner, soit pour aller au restaurant, soit pour aller en terrasse, soit pour aller en salle de sport, soit pour partir en voyage. Et maintenant ils se rendent compte qu'ils se sont un peu fait avoir avec ce pass sanitaire. Les magasins se rendent compte qu'effectivement... Comme les grandes surfaces, comme les petits magasins, entre 30 et 70% de chiffre d'affaires en moins. Tout ça à cause de la situation que l'on connaît en France avec ce pass sanitaire. Il y en a qui disent non, voilà. Là, le monsieur, il prend un papier. Parfait. Oh!
Voilà, vous venez d'entendre en direct les chiffres qu'on m'a demandé, qu'on m'a donné. On était au départ, quand je dis on, eux, hein, ils étaient au départ 800, et c'est ce que je vous dis, avec le départ du cortège, ils ont été recomptés, ils sont près de 1300 personnes. 1300 personnes aujourd'hui encore. Personnes encore à La Rochelle pour ce samedi d'appel national et donc d'appel régional ici à La Rochelle. Ah ouais. Voilà, 1300 personnes, hein, c'est confirmé, c'est bien. Voilà, toujours le même cortège, le même défilé. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus rapide, effectivement. 1300, bah, à côté des 5, 6, 7000 même, au plus fort. Mais quoi qu'il en soit, c'est la motivation. Alors, je connaissais quelqu'un durant les semaines qui tapait sur les poubelles. Et bien là, aujourd'hui, il s'est amené sa poubelle. Il s'est amené sa poubelle directe. On n'est jamais mieux servi que par sa poubelle. Hein.
Voilà, donc on arrive près de la statue de l'amiral, hein, bien sûr. En général, c'est un arrêt important. À faire passer à toute la population, tous celles et ceux qui croient qu'on est là pour foutre le bordel, histoire de foutre le bordel, c'est pas vrai. On veut faire passer un message. On n'a rien contre toutes les personnes qui viennent boire un coup, qui viennent manger. On n'a rien contre les restaurateurs, les patrons de bar et tout ça. On est en total soutien, on comprend. La seule chose que nous, on ne comprend pas et qu'on ne veut pas, c'est qu'on puisse instaurer quelque chose qui soit discriminatoire. Et c'est là-dessus que l'on se bat, c'est là-dessus qu'on veut porter le message. Mais surtout pas un message néfaste sur les personnes qui se trouvent en terrasse et les professionnels qui ont lutté depuis le début pour mettre en place de ce que demander le gouvernement et imposer le gouvernement. Donc ça, je veux que ça soit clair, je veux que ça soit quand même entendu. On est là tous pour la même chose, être des citoyens, être des humains et non pas être catalogués ou avoir été discriminés. Bravo. Alors, je vais vous demander une seule petite chose, s'il vous plaît, dans le respect le plus total, et de faire très très attention quand même quand vous allez tourner légèrement face à tous nos restaurateurs et à toutes les personnes qui sont en terrasse. Je veux que vous vous tourniez d'un quart. C'est parti. Et par solidarité et pour la liberté, mais également la vérité, faites du bruit! Merci à tous. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous le savez, à vous abonner à Platine Web TV, que ce soit sur YouTube. C'est important, YouTube. Ou sur Facebook. Vous êtes les bienvenus. Ah. Alors, on va les faire... Ça fait longtemps qu'on n'était pas passé par là. C'est la rue Verdière. Et dans la rue Verdière, il y a une tente
pour se faire vacciner. Ça va être intéressant de voir. Solidarité pour tous les pompiers qui ont dû être mis de l'honneur. On va le faire comme ça aujourd'hui. On va se glisser. Que tout le monde fasse un maximum de bruit avec les applaudissements, de monter jusqu'à applaudir à fond. Vous êtes prêts ou pas? Voilà, super. Alors, c'est parti, les musiciens, on va donner la cadence. C'est une nouvelle image que l'on n'a pas fait pendant toutes ces semaines. On est carrément place de Verdun. Le défilé, le cortège arrive place de Verdun. Voilà une image que vous n'aurez pas eue sur les autres lives. Hein. Alors on va voir ce que ça fait, 1300 personnes, place de Verdun.
Voilà, ça arrive tranquillement. Et on n'aura plus qu'à se retourner. Vous voyez que ça arrive au loin encore, hein. Ils sont toujours dans la rue Chaudrier là-bas. On va le faire très vite. Hein. Juste quand même, je tiens encore à vous remercier. Je viens de voir des gens formidables. Vous êtes tous formidables, forcément. Donc, merci. Merci à tout le monde de répondre présent. Merci aux Lyon. Qui c'est que j'appelle les Lyon? C'est les maires. Les maires qui sont toujours présents. Qui font du bruit. Oui. Qu'on est dessus sur les lions et pourrait faire un monsieur de bruit pour justement toutes ces mères qui sont là bien présentes et qu'on a leur mot à dire. Bravo. Mais on va se faire bercer par rapport à ça, par cette musique-là. Aussi, comme on est tous des citoyens et qu'on a la liberté de pouvoir bouger, j'aimerais vraiment arriver un moment, on va scinder le cortège en deux. Alors pourquoi? Ben parce que pour faire voir qu'on est libre, on va être en parallèle et vous allez voir, on va pouvoir se faire des petits coucous. Voilà, donc vous l'avez entendu, ils vont se séparer en deux groupes. Et ils vont repartir comme ça jusqu'au parvis de l'aquarium. Ceux qui veulent faire la chaîne humaine, vous pouvez faire la chaîne humaine. Merci d'être de plus en plus nombreux à retrouver votre média Platine Web. Le média à l'esprit rock'n'roll, c'est toujours important, surtout à notre époque. Voilà quelques images. Voilà, mesdames, messieurs, vous étiez sur Platine Web TV, c'était Marcus avec vous. On se retrouve dans la semaine, très bientôt, dès qu'il se passe quelque chose sur Platine Web, bien sûr, mais dès qu'il se passe quelque chose à La Rochelle, nous serons là. Bonne journée, bon week-end à toutes et à tous. C'était Marcus avec vous. Salut!